À la BNU, toute première conférence qui se tienne à nouveau dans cet espace depuis la réouverture officielle il y a 3 semaines. Et donc je suis particulièrement heureux de retrouver un public avec toute l'équipe de la BNU. Merci de votre fidélité. Je reconnais des visages de ceux qui venaient dans le monde d'avant et qui, j'espère, reviendront souvent dans cette période d'après, qui, j'espère, restera un après et pas un entre-deux. Je remercie tout particulièrement Madame Lemo d'être venue depuis le musée du Louvre pour nous parler des cités phéniciennes et de leur rayonnement culturel en lien avec ce dépôt que nous avons la chance d'accueillir, que vous avez sélectionné, qui est installé dans nos murs depuis janvier dernier et que l'on avait hâte de pouvoir montrer au public. Il a fallu attendre quelques mois, mais voilà, ça commence à être à nouveau possible sous forme de visite commentée, donc au 5e étage dans nos réserves. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Lemo, à la fois dans le cadre de ce dépôt, mais également dans le cadre du début du Festival Ars Mondo. Et je passerai tout à l'heure la parole à Christian Longchamp, qui en est le programmateur. C'est aujourd'hui un alignement de planètes qu'on a fait de façon totalement fortuite, mais qui est assez heureux. Il se trouve que le Musée du Louvre nous proposait, depuis quelques semaines à l'époque, un dépôt sur l'art phénicien, quand Christian Longchamp m'a annoncé que l'étape 2021 d'Ars Mondo serait consacrée au Liban. Donc, une pierre deux coups, et c'est le sens aussi de la conférence ce soir, du lancement de ce festival avec cette conférence. Voilà, il s'agit de parler des racines très anciennes du Liban en abordant cette conférence sur l'art phénicien. Je vais juste dire un mot de présentation en disant que vous êtes chargé des collections phéniciennes, judéennes et puniques au département des arts d'archéologie orientale au DAO, j'ai toujours dit le sigle, alors je ne sais plus ce qu'il veut dire, excusez-moi, des antiquités orientales, pardon, du musée du Louvre. Et vous avez fait pour quelques vénards, il y a quelques minutes, une visite du dépôt au 5e étage, donc sur ces collections phéniciennes que nous accueillons pour 3 ans. Donc ceux qui ont raté les visites, vous avez 3 ans pour revenir. Voilà. Merci encore et je passe la parole à Christian Longchamp. Bonsoir, je vous remercie d'être là. En effet, c'est donc une soirée un peu particulière pour le Festival Ars Mondo, l'Opéra National du Rhin, donc ce festival annuel que vous connaissez peut-être, qui est chaque année consacré à une culture d'au-delà de l'Europe. On avait commencé par le Japon, il y a eu l'Argentine, l'Inde, malheureusement, après la conférence inaugurale l'année dernière, dans ce même auditorium, nous avons dû l'interrompre à cause de la pandémie. Et cette année, le festival a été lui aussi impacté très fortement par ce que nous vivons. Et donc, on a eu une première partie entièrement numérique au mois de mars. Et là, ce soir, nous entamons une deuxième partie en présentiel qui va donc se dérouler du 10 au 27 juin. Je vous invite à aller sur le site de l'Opéra National du Rhin pour en voir la programmation. Et il nous avait semblé absolument essentiel d'avoir dans un ensemble d'événements consacrés au Liban une soirée phénicienne, si je puis dire, dans un festival consacré essentiellement à la création contemporaine. Nous invitons des écrivains, des intellectuels, des cinéastes, des architectes à parler de leur travail. Pourquoi la Phénicie, eh bien, ça ne me semble pas tout à fait hors de propos, en ce sens que, de mon point de vue, l'archéologie est un art contemporain, que l'épigraphie, c'est une forme d'art poétique qui est exprimée, qui s'exprime à travers le travail de spécialistes qui font revivre des textes du passé, mais des textes sans lesquels nous ne pourrions absolument pas pénétrer dans ce monde oublié. Donc, comme vous le savez, Lascaux, Chauvet sont des œuvres très, 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 très anciennes, mais
également des œuvres de la deuxième partie du XXe siècle. Ce sont des œuvres contemporaines. On peut les qualifier d'œuvres contemporaines. Et je crois vraiment que dans l'histoire de la Phénicie, vous allez peut-être l'évoquer, Madame Lemot, ce soir, on a redécouvert la Phénicie au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, bien évidemment, avec Renan et beaucoup d'autres. Au début du XXe siècle, peut-être que vous l'évoquerez également, la Phénicie a été aussi un enjeu politique au Liban, puisque les chrétiens maronites, essentiellement, ont souhaité faire de la Phénicie, de la culture phénicienne, un enjeu politique pour se positionné par rapport aux communautés arabes musulmanes. Mais c'est vraiment dans la deuxième partie du XXe siècle, là aussi, qu'on a compris, grâce aux recherches menées par archéologues, épigraphes et d'autres, toute l'étendue de cette culture phénicienne. Donc oui, la Phénicie a bien sa place dans un festival d'art contemporain. Je vous l'ai dit, le festival donc a lieu en présentiel à partir de ce soir pour un certain nombre de soirées importantes. Mais vous pourrez aussi, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir sur le site de l'Opéra du Rhin ce que nous avons présenté au mois de mars, il y a 25 contenus en accès libre qui concernent aussi bien des écrivains, des intellectuels, une bonne manière, je crois, de bien comprendre ce que vit le Liban aujourd'hui, ce que traverse le Liban actuellement. Et notamment, vous pourrez aussi réécouter l'opéra de Zane Moultaka, qui a été créé en ouverture du festival dans une création radiophonique avec France Musique. Et donc là aussi, vous pouvez réécouter la totalité de cet opéra sur le site de l'Opéra du Rhin. Pour conclure, je voudrais remercier très chaleureusement Alain Collat, Emmanuel Marine, et surtout Emmanuel Marine, parce que c'est un partenaire de jeu, de travail, d'échange formidable depuis le début de la création de ce festival Ars Mondo, et toute l'équipe de la communication de la BNU qui participe largement à l'écho que ce festival rencontre ici à Strasbourg. Voilà, je vous remercie, bonne soirée, et madame, c'est à vous. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez avec le micro. Si ? Si ? Bon, très bien. Donc, merci de m'accueillir et à la BNU et dans le cadre du festival, effectivement. Je ne devais pas être seule puisque je devais être accompagnée à quelques jours d'intervalle de collègues libanais qui reviendront, c'est sûr, dans un autre contexte pour vous parler également du patrimoine libanais. Moi, je vais effectivement aborder la culture libanaise dans l'Antiquité, la culture phénicienne, et notamment avec comme point de départ les cités de Phénicie, dont vous connaissez certainement un certain nombre de noms comme Byblos, Sidon, Tyr, qui sont les plus connues, les plus parlantes. Et je vais essayer de montrer ou de donner un aperçu du moins de leur rayonnement culturel. Donc on est vraiment dans ce contexte-là, à travers le temps, à travers l'espace, de la diffusion d'un savoir, de la diffusion de production artistique, de la diffusion épigraphique, comme vous l'annonciez tout à l'heure. Et donc, ce sont ces données-là que je vais vous présenter. Alors, si dans les sources du Proche-Orient, on parlait d'épigraphie, et si dans ces sources épigraphiques du Proche-Orient, levantine, je parlerai du Levant parce que c'est le terme générique qui est utilisé pour parler de cette côte syro-palestinienne. Donc, si dans ces sources du Proche-Orient, levantines et assyriennes, notamment les cités de la côte libanaise actuelle apparaissent en tant qu'entités indépendantes et toutes autonomes et dissociées les uns des autres, eh bien, il nous a semblé important dans un premier temps de rappeler dans la géopolitique égyptienne, donc vous parliez de géopolitique actuelle, moi je reviens à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, mais comme quoi les choses se répondent et cette région du Proche-Orient étant si compliquée, elle l'a été de toute façon de tout temps. Donc il m'a semblé important dans un premier temps de rappeler que dans cette géopolitique ancienne et notamment égyptienne, eh bien, ces cités qui elles sont indépendantes au Levant, eh bien, sont regroupés sous le terme de Phénicie. Et donc, je commencerai par parler de l'identité de la Phénicie. Les annales de Thoutmôsis III, donc on fait un petit peu d'égyptologie là, au XVe siècle avant notre ère, dans la campagne de l'an 42, il est question du pays des Taoufénous, c'est-à-dire du pays des charpentiers, du pays des bûcherons.
juste avant la prise d'une cité importante qui est la cité d'Arcata. Arcata, c'est près de Tripoli, dans le nord du Liban. Et à partir de Thoutmose III, ce site d'ailleurs d'Arcata devient le point de départ des grandes expéditions vers la Syrie intérieure. Donc par cette dénomination de terre des charpentiers ou des bûcherons, la Phénicie comprend en fait le lieu de production et d'abattage des cèdres, mais aussi des pins, des genévriers, dont l'exportation depuis le port de Byblos a fait la fortune dès l'âge du bronze. Alors vous connaissez tous l'expression de pays du cèdre. On ne l'a pas dit dans l'introduction, c'est étonnant parce que c'est un petit peu un topos que de dire le pays du cèdre. Donc c'est moi qui le dis. Donc vous connaissez cette expression du pays du cèdre et ces cèdres croissent en altitude, entre 1500 et 2000 mètres. Peut-être certains d'entre vous ont eu la chance de découvrir la vallée des cèdres. Et ces cèdres, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, vous en avez une très belle photo ici de 1878 prise par Félix Bonfils, qui est aujourd'hui conservé à la médiathèque de l'architecture du patrimoine. Et donc vous voyez ces cèdres se développer sur cette photo extrêmement poétique presque, et les grumes équarries étaient transportées vers la mer par flottage sur des cours d'eau, puisqu'il y a de nombreux cours d'eau qui partent de la montagne et qui descendent jusqu'à la mer. Je n'ai pas repris ça, mais vous voyez que la Phénicie, vous voyez toutes ces cités sur la côte, en fait la Phénicie est extrêmement étroite. Enfin, le Liban, c'est voilà, la côte, la montagne, et c'est tout. Et vous avez une étroite bande qui constitue ce territoire pris entre ces monts du Liban et cet mont anti-Liban. Bien, cette géographie-là, il faut bien l'avoir en tête pour comprendre justement comment ces cités se sont développées et justement aussi pourquoi elles se sont diffusées ou comment elles se sont tournées, on va dire, vers la Méditerranée. Donc, ce bois, ces grumes de bois sont transportées par flottage. Et une fois arrivées au bord de la mer, sur la côte, à l'aide de cordages, eh bien, elles étaient transportées sur des bateaux plus importants qui les envoyaient, qui les transportaient vers leur destination finale. Vous connaissez peut-être ce relief très très connu du transport du bois, qui est un relief assyrien qui provient de Khorsabad, donc qui n'est pas phénicien, mais qui montre cette activité phénicienne, cette activité des Phéniciens. Vous voyez ces petites embarcations à tête de chevaux, qu'on appelle donc des hippoi, et qui traînent sur leur passage ces éléments, ces morceaux de bois qui sont emportés ensuite en Méditerranée et qui vont être emportés en particulier vers l'Égypte. Vous savez que la barque d'Amon était faite en cèdre du Liban. Donc c'est un point important de voir quelle est la matière première du Liban et puis de voir tout ce qui manque aussi au Liban et qui est aussi à l'origine de cette expansion en Méditerranée. Donc là pour les sources égyptiennes et puis assyriennes d'un point de vue iconographique. Si on se tourne un petit peu vers les Grecs, que disent-ils ? Dans les sources grecques, donc une autre étymologie s'est développée, également fondée sur une réalité économique, mais non plus du bois cette fois-ci, mais de la pourpre. Parce que s'il y a effectivement deux éléments qui sont, c'est-à-dire symptomatiques, en tout cas caractéristiques de la Phénicie, un petit peu dans l'imaginaire, en plus du verre que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est effectivement le bois et c'est la pourpre. Donc, autre réalité économique. Le terme phoenix désigne la couleur pourpre, puis par extension la teinture pourpre. La teinture et non le coquillage, parce que le coquillage, lui, c'est le murex dont est extrait la pourpre. Ce murex, il n'est pas appelé phénix, mais il est appelé porphyra. Je me remarque, ce n'est pas mon bon PowerPoint parce que j'avais mis un murex, mais ce n'est pas grave. Il est appelé porphyra. Et porphyra, ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle le porphyre. Donc, on est toujours dans cette thématique rouge, couleur fauteuil de l'auditorium. C'est ça, la pourpre, en fait. Il y a toute une déclinaison
c'est entre autres cette couleur-là. Il y a toute une déclinaison de couleurs de la pourpre. Il y a des études qui ont été faites justement par nos collègues libanais qui montrent ces déclinaisons à partir des chevaux de laine qui sont teintés à partir du murex. Et vous allez du mauve pâle jusqu'au violet plus soutenu et jusqu'à cette pourpre que vous connaissez par notamment les vêtements romains tout à fait caractéristiques. Chez Hérodote, le terme phoenikeios, donc qui est dérivé bien sûr de phénix, désigne l'habitant de la Phénicie, donc le phénicien, ou le produit venant de Phénicie. Chez Lucien de Samosate, apparaît même le mot composé, hyper actuel, finalement, de syrophoenix, syrophénicien. Vous voyez la Syrie apparaître. Et très souvent, en fait, cette réalité aujourd'hui géographique, elle ne connaissait pas les mêmes frontières, évidemment, dans l'Antiquité. Hein, et la Syrie, en partie, était, j'allais dire, phénicienne, hein, bien évidemment. Donc ce terme syrophénicien apparaît chez Lucien de Samosate, indiquant donc une valeur géographique très importante. Phénicien donc est appliqué à cette partie du Levant, hein, par métonymie, par assimilation à la région, à son produit, la pourpre. Et on sait que Tyr, la cité de Tyr, au sud du Liban, était grand exportateur de pourpre au premier millénaire. Et on a retrouvé des bassins de décantation de pourpre qui permettaient donc de réaliser ces teintures. En dehors de la ville, parce que ce sont des activités qui sont très, très, très nauséabondes, hein, et qui sont faites par putréfaction, bien sûr, du coquillage. Chez Eratosthène, par exemple, Phoenicae désigne la petite ourse, hein, qui guide la navigation nocturne pour les Phéniciens. Donc là, vous voyez en fait se décliner toutes les caractéristiques finalement du Phénicien, hein, la pourpre, la navigation ces éléments qui sont importants. Et puis, on a aussi une autre acception de ce terme phoenix, puisqu'il désigne également le palmier dattier, hein, ou la date seulement, ou la palme seulement, de l'époque classique jusqu'au temps du christianisme, avec une symbolique de régénérescence, qu'on retrouve d'ailleurs dans le terme phoenix, du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Alors, les linguistes, dont je ne suis pas, continuent à se demander quel lien soude cette polysémie, hein, qui associe une région, une teinture tirée d'un coquillage, un arbre fruitier et un oiseau mythique. Donc, si vous avez des idées, elles sont bien sûr les bienvenues. Quoi qu'il en soit, héritier des cités cananéennes de la côte donc syro-palestinienne, bénéficiaire également de la cité du royaume d'Ougarit au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens, qui se disent, eux, gens d'Arouad, gens de Soumour, là je fais des citations, ils ne se disent pas Phéniciens, hein, ils ne diront jamais, ils ne diront pas comme je suis français, non, ils diront je suis parisien, je suis strasbourgeois, je suis nancéen, etc. Et ils se disent donc gens d'Arouad, gens de Soumour, gens d'Arca, gens de Byblos, gens de Beyrouth, de Sidon, gens de Tyr, et de manière tout à fait précise, jamais Phéniciens. Alors que les Grecs, vous le voyez, les englobe, et que les Égyptiens également les englobent. Donc, ils se désignent ainsi, ils s'affirment sur la côte à travers ces différentes cités, ils s'affirment sur la côte, ils s'affirment également à l'intérieur des terres grâce à des réseaux diplomatiques et commerciaux, et bien sûr, ils essaiment dans le bassin méditerranéen jusqu'aux colonnes, jusqu'au-delà même des colonnes d'Héraclès. Alors, voyons quelques-unes de ces cités phéniciennes. Mais avant toute chose, je vais vous présenter rapidement le crête chronologique en trois mots. Et vous dire également que ces cités nous sont connues grâce à des fouilles que vous avez évidemment rappelées sous le nom très très célèbre de Ernest Renan, qui à partir de 1860 et en 1861 fouille la Phénicie et est à l'origine, à la demande de Napoléon III, de la mission de Phénicie, dont un exemplaire, puisque c'est un livre aussi, est présenté avec le dépôt. Et bien ces fouilles menées
à partir du troisième quart du 19e siècle, principalement par Renan, mais évidemment par d'autres, les fouilles plus récentes du début du 20e siècle, et puis les fouilles actuelles qui continuent bien évidemment d'exister et de se développer, eh bien nous permettent de mieux comprendre ces différentes cités. Alors, ce cadre chronologique, je le donne en trois mots, mais il nous permet peut-être de comprendre pourquoi en fait les Phéniciens vont s'écarter aussi de la côte en certains temps. Donc, on parle de l'âge du fer pour, en tout cas, les trois quarts du premier millénaire et la fin du second. Donc, l'âge du fer 1 qui caractérise en fait la période d'indépendance des États du Levant, l'âge du fer 2 du 9e au milieu du 7e siècle, avec la conquête et la domination assyrienne puis babylonienne, et nous parlerons des Assyriens tout à l'heure, et l'âge du fer 3 avec la domination perse jusqu'à la conquête d'Alexandre, jusqu'au siège de Tyr en 332, qui ensuite se poursuit avec la période hellénistique, puis avec la domination romaine. Donc ça, c'est pour vous donner quand même le cadre historique pour ne pas flotter dans un siècle. Oh mon Dieu! Mes photos. Oh, c'est quoi cette horreur? Alors j'ai fait un... Oh là là! J'ai fait un PDF. Mais elles apparaissent sur le côté, là. Ah, il faut être patient. Mais non, parce que mon murex, il était là, hein, regardez. Alors j'ai fait un PDF. Je suis désolée pour ce petit... Alors, il n'y a plus mon truc, là. Ah. Ta-ta-ta, j'ai fait mon PDF. Je suis désolée. Normalement, avec un PDF, on verra tout. Hein. Parce que si vous ne voyez pas les photos, c'est quand même dommage. Ah, vous voyez le murex. Voilà. On va travailler sur le PDF, si ça vous n'embête pas. Vous voyez, c'est murex. Eh bien, juste dessous, il y a une teinte qui est extraite du murex quand je vous parlais de ce mauve relativement pâle. Alors, voilà, quand même, c'est mieux. Ces cités, je les présente donc ici de nouveau avec cette carte, hein, donc Ougarit dont je parlais tout à l'heure pour sa chute au XIIe siècle, et puis Arwad, Sumur, ces gens de Arwad, Sumur, Byblos, etc. Des photographies aériennes prises donc par Antoine Poitbar, qui était un archéologue jusque dans les années 30, extrêmement actif au Proche-Orient et notamment au Liban. Il est mort d'ailleurs au Liban. Il était missionnaire jésuite et aviateur passionné en fait des sites archéologiques. Il y a eu des très belles expositions sur ses photos. Il était aussi scaphandrier, je crois. Donc il nous a légué un certain nombre d'images tout à fait intéressantes qui nous permettent, bon, comme le feraient d'autres photos aériennes, hein, bien sûr, mais je préfère vous montrer des photos anciennes, qui nous permettent de nous rendre compte de cette topographie des cités phéniciennes. Elles sont toutes au bord de la mer, en tout cas principalement. Elles sont soit sur un îlot, hein, isolé, comme c'est le cas d'Arwad, vous voyez dans la partie supérieure, qui est à Rhodos, hein, ou alors elles sont... soit sur une presqu'île, hein, ou en tout cas une île très très proche de la côte qui a pu être associée à la côte par une digue, et elles sont souvent associées à un, voire à deux, enfin un toujours, voire deux ports. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment caractéristique en fait des cités phéniciennes. Et c'est d'autant plus intéressant de se rendre compte de cette topographie-là, de cette organisation géographique, bon, qui est naturelle, hein, bien sûr, que si on avait le temps, on pourrait regarder les établissements phéniciens en Méditerranée, on verrait que ce sont exactement les mêmes types de points d'ancrage en fait, qui sont choisis par les Phéniciens. Hein. On verra Cadiz tout à l'heure, c'est exactement la même c'est à peu près la même topographie que Tyr. Hein. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir une résonance, un écho
Donc c'est finalement aussi une diffusion à travers la Méditerranée de cette topographie du monde de la côte levantine. Donc Arwad et Byblos ici, Byblos avec ses ports incroyables, Beyrouth avec son anse évidemment, Sidon aussi et sa digue, et puis Tyr tout à fait vraiment intéressante que vous voyez ici en bas à droite. Et je vous parlais de Cadix, justement, voici Cadix. Donc nous allons commencer à parler de Tyr, puisque en fait, en raison de ses activités commerciales en Méditerranée, diplomatiques au Levant, l'histoire de la cité de Tyr est la plus largement documentée au début de l'âge du fer. Dans les sources littéraires, d'après les sources littéraires, les marins de Tyr traversent la Méditerranée dès la fin du XIIe siècle. Je parle toujours avant Jésus-Christ, bien sûr. Dès la fin du XIIe siècle. Et au-delà des colonnes d'Héraclès, la cité de Cadix, je n'ai pas repris une carte de la Méditerranée, mais vous voyez où se trouve Cadix. Donc au-delà des colonnes d'Héraclès, la cité de Cadix, avec son temple de Milcarte Héraclès, a été fondée, ou aurait été fondée, en 1110 avant Jésus-Christ. C'est aussi le cas de deux autres cités, donc pour vous montrer le caractère extrêmement ancien de ces fondations. C'est le cas d'Utique en Tunisie et c'est le cas de Lixus au Maroc. Donc on a une sorte de triangle occidental tyrien entre Utique, Lixus et Cadix, de part et d'autre finalement du détroit, un petit peu plus quand même à l'est pour Utique, du détroit de Gibraltar. Mais ça, c'est dans la littérature, parce que il y a toujours une différence, enfin souvent une différence quand même entre sources littéraires, entre testimonia et puis réalité archéologique, realia. Et d'après les découvertes archéologiques, en fait, on n'a pas découvert à Cadix d'éléments qui pourraient attester d'une présence levantine, en tout cas proche-orientale, au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Les témoignages les plus anciens de Cadix provenant du Proche-Orient sont plutôt datés du IXe siècle, c'est dans la région de Huelva, d'ailleurs, plus que de Cadix. Mais ça, bon, en tout cas, c'est intéressant de savoir que les textes littéraires nous mentionnent ces fondations-là. Et donc, le plan de Cadix, peut-être pas très compréhensible, mais en tout cas relativement précis, mais qui vous montre de la même manière que Tyr, je ne sais pas si ça marche, cette souris, que Tyr avec sa digue qui est plus tardive. Donc, il faut vraiment imaginer cette séparation de l'île par rapport à la côte. Eh bien, vous la retrouvez à Cadix avec Eritrea, qui est l'île. Alors aujourd'hui, quand vous allez à Cadix, il y a aussi une grande digue. C'est interminable d'ailleurs pour arriver jusqu'à Eritrea, c'est Kotinoussa. Et donc, ce sont des associations d'éléments qui sont tout à fait comparables, en plus grand encore à Cadix qu'à Tyr. Donc, expansion en Méditerranée dès le XIIe siècle, 1110 avant Jésus-Christ. Mais il faut bien savoir que Tyr aussi noue des liens très importants, très étroit avec le royaume voisin d'Israël. Si on retourne au Proche-Orient, il y en a toujours ces échos, en tout cas ces liens qui sont aussi forts finalement en Méditerranée qu'au Levant à proprement parler. Et la Bible, puisque autre source importante, je parlais tout à l'heure des sources égyptiennes, des sources grecques, il y a aussi évidemment les sources bibliques, la Bible évoque la relation entre Hiram de Tyr et Salomon, le roi Salomon, et notamment le bois de cèdre qui a été utilisé pour le temple de Jérusalem. Donc vous avez ici une gravure du XVIe siècle de François Vatable. Ce bois de cèdre utilisé pour le temple, pour la réalisation par l'architecte tyrien du temple de Jérusalem. La cité de Tyr connaît des changements urbanistiques, architecturaux, l'embellissement de son temple, la reconstruction, l'embellissement du temple de Baal Shamin, la reconstruction des temples de Milcarte, également de la déesse Astarté, mais là aussi, aucun vestige archéologique aussi ancien n'est parvenu, ou du moins pour l'instant n'a été découvert.
attestant de ces reconstructions d'éléments, de vestiges, enfin d'édifices religieux. Autre témoignage de ces relations diplomatiques entre la cité-État de Tyr et le royaume d'Israël, un petit peu plus tardivement, au IXe siècle, nous savons que le roi de Tyr et de Sidon, qui s'appelle Itobaal, donne sa fille Jézabel en mariage au roi d'Israël, au roi Akab d'Israël. Et là, j'ai mis, pour changer un petit peu, l'affiche d'un film américain de 1953 qui s'appelle « Les péchés de Jézabel » avec Paulette Goddard en héroïne. Et les péchés de... En fait, Jézabel, elle est mécréante, forcément, puisque elle est importée de Phénicie. Hein, et donc, vous avez cette critique assez forte qui en est faite. Donc voilà pour évoquer un petit peu Tyr au tout début de l'âge du fer avec cette expansion méditerranée puis ses liens forts avec le royaume d'Israël. Si on parle de Byblos maintenant un petit peu. Byblos au XIe siècle aussi est connu par les textes et notamment par un récit dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le récit du voyage d'Ounamon, qui est un Égyptien qui voyage en 1080 avant Jésus-Christ et qui est envoyé auprès d'un roi de Byblos, auprès du roi Zakarbaal, pour se procurer du bois, toujours ce bois, hein, donc vous voyez ce côté extrêmement fort pour la Phénicie. Donc il est envoyé pour se procurer du bois destiné à la barque, comme je vous le disais tout à l'heure, de Amon-Ré. Mais finalement, la cité de Byblos est surtout connue pour ses vestiges de l'âge du bronze. Pour l'âge du fer, en fait, on connaît une série de souverains de Byblos, depuis Zakarbaal jusqu'à peu près au milieu du 5e siècle, et dont l'un d'entre eux est Ahiram, alors qui n'est pas Hiram, ce sont les mêmes racines, hein, mais qui n'est pas le Hiram de Tyr dont je vous parlais tout à l'heure, mais Ahiram, le roi Ahiram, qui est connu par ce sarcophage absolument incroyable, qui est conservé au Musée archéologique national de Beyrouth et qui est un des chefs-d'œuvre, hein, enfin qui est un des chefs-d'œuvre du Musée archéologique, et qui en fait réemploie un sarcophage de l'âge du bronze. C'est typiquement des sarcophages très massifs de l'âge du bronze moyen, de l'âge du bronze récent de Byblos, et il réutilise ce sarcophage. Peut-être est-ce lui qui fait sculpter cette iconographie, mais surtout il appose une inscription à son nom ici, donc qui mentionne ce personnage et sa vie dans l'au-delà. Donc nous reparlerons tout à l'heure des inscriptions. Donc pour Byblos, donc retenez hein, ce sarcophage d'Ahiram. Si on avance un petit peu dans le temps, on se rend compte que dès en fait le premier quart du IXe siècle avant Jésus-Christ, l'Assyrie, donc ces royaumes assyriens qui se trouvent en Mésopotamie, enfin, en Irak actuel, hein, vous connaissez les grandes cités de Nimroud, Ninive, par exemple, eh bien, les Assyriens exercent une pression de plus en plus forte. Je vous disais que la situation était complexe au Proche-Orient dans l'Antiquité également. Eh bien, cette pression est forte et c'est une pression grandissante sur les cités phéniciennes, hein, avec une expansion des royaumes assyriens vers la mer. Et en effet, à partir du règne d'Assur-Nasir-Pal II, 883-859, la chronologie du Levant et l'histoire du Levant, en fait, est rythmée par les expéditions de ces rois d'Assur qui viennent régulièrement lever un tribut, hein, consistant en objets précieux qui peuvent être de l'ivoire, des tissus et tout autre objet de l'artisanat phénicien qui était apprécié par les Assyriens.
Nous avons un exemple ici. De, tout à l'heure, comme je vous montrais le transport du bois, eh bien, qui était d'après une source assyrienne, eh bien là, d'après une source assyrienne toujours, parce que vous verrez que les Phéniciens sont plus connus par leurs voisins que, finalement, que par eux-mêmes, d'après ce fragment de plaque en bronze qui provient de Balawat, eh bien, vous voyez ces mêmes types de bateaux que tout à l'heure, avec des tissus. Enfin, on le sait, hein, grâce aux inscriptions, ce sont des ballots de tissu qui sont transportés et qui sont pris donc comme qui sont pris en fait pour payer le tribut des cités phéniciennes. Malgré tout, malgré cette domination, on va dire, les cités phéniciennes gardent leur souveraineté, hein, et une certaine autonomie dans la gestion de leur relation entre elles et dans la gestion de leur relation commerciale. Elles se tournent de plus en plus vers la mer, et d'ailleurs les Assyriens ont tout intérêt à les laisser libres, entre guillemets, d'établir des comptoirs en Méditerranée et de permettre ainsi aux métaux précieux, cuivre, argent, étain, or, que vous voyez ici sur la carte, qui n'apparaissent pas au Proche-Orient à proprement parler, si ce n'est à Chypre, mais qui apparaissent dans le sud de la péninsule ibérique, qui apparaissent dans le monde étrusque, enfin en Italie, l'étain qui est une denrée des îles Cassitérides en Atlantique, etc. Eh bien, s'il y avait le joug assyrien trop fort, ces cités ne pourraient pas continuer de se développer en Méditerranée. Elles continuent de le faire et continue ce commerce du cuivre, argent, étain, or, qui sont importés de Méditerranée centrale et occidentale. Alors, nous allons continuer à parler d'un certain nombre de ces cités qui vont s'associer. Je vous parlais d'autonomie, mais en même temps, il y a des unions qui se créent, et notamment l'importance de la Phénicie méridionale s'accroît grâce à l'union des cités de Tyr et de Sidon jusqu'à la fin du 8e siècle. Ce royaume est riche, dynamique, et les marchands en sont très actifs jusqu'en Syrie du Nord, donc jusque dans l'intérieur des terres, jusqu'en Anatolie, hein, qui se trouve en Turquie, Cappadoce, et évidemment en Méditerranée, jusqu'en Espagne. Et sur la carte tout à l'heure, nous voyons ce sud d'Espagne avec le fameux pays, on en reparlera tout à l'heure, le fameux pays de Tartessos, dont il rapporte des ressources minières importantes, dont l'or. Et vous connaissez peut-être ce très beau texte biblique, l'élégie sur Tyr, qui vous présente de manière allégorique, c'est-à-dire que Tyr, la cité de Tyr apparaît sous la forme d'un bateau. Hein. Cette cité de Tyr, riche, prestigieuse et, je cite, parfaite en beauté, est évoquée dans ce texte de manière extrêmement poétique à travers ses activités commerciales, donc dans le livre d'Ézéchiel 27, 3. Vous l'avez à l'écran, je ne vais pas le lire parce que c'est trop long pour nous aujourd'hui, mais vous voyez apparaître le fer, l'étain, le plomb. Hein, si vous lisez même en diagonale, vous voyez Tarchis, c'est Tartessos. Vous voyez les habitants de Sidon, d'Arwad. Vous voyez tous ces éléments qui apparaissent et notamment, je ne les vois plus là, mais pas seulement des denrées, pas seulement des matières premières, mais également des chevaux, mais également des animaux, etc. Donc il faut imaginer quelque chose d'extrêmement riche, hein, extrêmement divers également. Vous voyez du miel, de l'huile, de la résine, et ces liens extrêmement forts avec Juda, avec les pays d'Israël, hein, qui sont bien, et avec Kittim, je ne vois plus Kittim là, voilà, Kittim qui est l'île de Chypre. Hein, donc vous voyez à travers ce texte que vous lirez en détail tranquillement, cette richesse du commerce phénicien, du commerce tyrien à proprement parler. Dans la littérature grecque, Homère, que vous connaissez tous, a immortalisé le souvenir de ces marins et artisans excellents, hein, dont il reconnaît les qualités, hein, qui sont redoutés sur les mers, dans l'Odyssée, au livre 15, par exemple, chapitre
440, dans l'Iliade au livre 23. Donc il mentionne, il reconnaît l'excellence de ces artisans, de ces marchands, mais également il les critique. Et je le rappelais tout à l'heure dans la visite, je cite Homère, « On y vit arriver des gens de Phénicie, de ces marins rapaces, qui ont dans leur noir vaisseau 1000 camelotes. » Hein. Et donc c'est un peu le versant, la version grecque, hein, que de dire que les Phéniciens échangent très souvent ces marchandises extraordinaires, hein, contre de la camelote, contre de la pacotille. Et nous verrons cette pacotille tout à l'heure. Donc, ils partent en Méditerranée, ça vous le savez, et un certain nombre de cités, en dehors de Cadix, très très en amont, ou de Utique et de Lyxus, eh bien, d'autres cités sont créées, et vous connaissez tous Carthage, hein, et la fondation de cette ville en 814. Tout à l'heure, j'ai dit 804 dans la visite, c'est 814, je me suis trompée. Carthage, qui veut dire Carthage, ça veut dire la ville neuve. Hein, donc, c'est littéralement la ville neuve, comme on dit Néapolis, hein, c'est la ville neuve qui est créée. Et bien là aussi, c'est la Néapolis de Tyr. Donc, ce sont les Tyriens qui fondent Carthage en 814. Et cette fondation est associé, parce qu'il y a toujours des histoires autour de ces faits historiques et de ces créations, cette fondation est associée à la légende de la princesse de Tyr, Elissa, qui prend le nom de Didon quand elle arrive à Carthage, et vous connaissez l'histoire de Didon, et enfin vous connaissez au moins Didon par Énée, hein, forcément. Donc elle fuit sa cité d'origine. Elissa, puisqu'elle s'appelle Elissa, elle fuit sa cité d'origine, sa cité de Tyr, après le meurtre de son mari, Zicarbas, par son frère, le roi Pygmalion. Elle s'embarque vers l'Occident avec une troupe de colons tyriens, et à Carthage, eh bien, elle. Alors, il y a toute une histoire, je ne fais pas une conférence sur Carthage, mais il y a toute une histoire au sujet de son arrivée, de son premier contact avec les indigènes. Ce n'est pas évident, hein, quand elle arrive. Elle demande un territoire, elle est rusée, hein, Elissa. Elle demande un territoire, et puis les indigènes lui disent oui, mais alors, vous connaissez cette histoire, hein, ce sera ton territoire. Tiendra dans la peau d'un bœuf. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle découpe la peau du bœuf, elle en crée une très 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 longue lanière, et elle crée son périmètre, qui est la colline de Birsa actuelle, enfin qui correspond à la colline de Birsa actuelle. Et Birsa, je ne suis pas épigraphiste non plus, mais c'est en lien avec le bœuf. Hein. Donc elle crée son territoire, enfin, d'un commun accord finalement, elle s'octroie ce territoire sur la colline actuelle de Birsa, qui est la première implantation phénicienne sur ce site de Carthage. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc vous avez ici un plan de Carthage. Vous avez ici une illustration de Didon au moment de sa mort. Donc c'est pas forcément le moment le plus amusant, mais bon, par Rubens, c'est la plus célèbre illustration. Et puis là, j'ai juste mis une photo du Tophet, qui est un sanctuaire à ciel ouvert, qui est intéressant pour plusieurs raisons, et vous avez des stèles du Tophet qui sont présentées dans le dépôt, mais parce qu'on a toute la stratigraphie, en fait, de Carthage, depuis la fondation par Elissa Didon jusqu'à la destruction en 146 par les Romains, donc par l'armée de Scipion. Donc c'est intéressant de savoir qu'en ce site-là, qui est en deçà de la colline de Birsa, parce que c'est tout près du port, mais on a le Tophet est juste là, alors que la colline de Birsa est ici. Donc voilà, en tout cas, fondation de Carthage, ça c'est important, et puis ensuite développement de la cité, etc., hein, indépendamment de sa métropole, on va dire, mais avec des liens quand même avec sa métropole, parce que, comment le sait-on, on a des stèles, enfin des inscriptions qui mentionnent Tyr, toujours, et puis à Tyr, on a des inscriptions qui mentionnent des Carthaginois. Donc il y a toujours un lien
entre Tyr et Carthage, et dans l'autre sens aussi, entre Carthage et Tyr. Et avant de fonder Carthage, Elissa, elle fait escale à Chypre. Et Chypre, c'est une mine d'or, non, c'est une mine de cuivre, mais en tout cas, extrêmement, c'est une ville, une île extrêmement importante pour les implantations phéniciennes et les implantations grecques et un certain nombre de royaumes. J'ai mis juste à l'écran l'acropole du site d'Amatonte, qui est une des cités du royaume phénicien de Chypre, avec notamment un sanctuaire en lien avec la déesse Astarté. Et j'ai mis à l'écran deux coupes extrêmement importantes qui font partie des collections du Louvre, qui proviennent d'Idalion, donc autre royaume phénicien de l'île, et qui illustre aussi le travail des bronziers que sont les Phéniciens, hein, et ce travail du métal. Et à Chypre, c'est d'autant plus fort que les Phéniciens en extraient le cuivre. Hein, et donc, on a aussi des monnaies d'échange, hein, et contre de la matière première, et bien des coupes qui peuvent être données. On parle de coupes chypro-phéniciennes, on ne sait pas exactement en fait où elles ont été créées. Ces coupes chypro-phéniciennes, si elles ont été trouvées à Chypre, comme celle-ci, elles ont aussi été trouvées en Assyrie. C'est intéressant. Et notamment dans le palais de Nimroud. C'est intéressant parce que c'est aussi des éléments des tribus qui sont rapportés, qui sont prélevés dans les cités phéniciennes. Et on ne les retrouve plus en Phénicie parce qu'en fait, elles ne sont plus là. Elles ont été emmagasinées, hein, et empilées. Parce que quand on a fouillé, quand Malohan a fouillé Nimroud, Max Malohan, qui était le mari de Agatha Christie, vous savez. Quand Max Malohan fouille Nimroud, il retrouve plein d'ivoire, et il retrouve aussi des assiettes empilées les unes aux autres, qui sont en fait dans des entrepôts. Ce n'est même pas pour être utilisées ou montrées, etc. Et c'est vraiment la matière d'échange, en tout cas de paiement, des cités phéniciennes rapportées en Assyrie. Donc là, pour deux exemplaires de Nimroud, j'aurais pu vous en prendre d'autres, hein, bien sûr. Et d'Étrurie, pour vous montrer les deux versants, justement, l'intérieur des terres, la Mésopotamie, et puis l'Étrurie, donc vraiment à l'opposé dans le monde, de l'autre côté de la Méditerranée. En Étrurie, on a retrouvé aussi, les archéologues ont retrouvé un certain nombre de ces coupes de tradition chypro-phénicienne. Et là, on interprète cette présence peut-être comme des dons, des cadeaux qui étaient faits aux princes étrusques, justement en échange de l'accès aux sources minières qui sont aussi importantes, notamment l'argent. Voilà pour ces deux aspects géographiques des coupes. On pourrait évoquer, mais évidemment, on n'a pas le temps ici, mais les ivoires phéniciens qui font aussi partie de ces productions luxueuses. Les ivoires, les ivoires sont des éléments de plaquage du mobilier en bois. Hein, il faut bien, on ne fait pas un objet en ivoire. Enfin, en tout cas, on peut faire une sculpture en ivoire. Mais là, ce sont le plus souvent des éléments de plaquage, donc qui s'intègrent dans des trônes, dans des lits, dans des boîtes, etc., des coffrets, etc. Et ils ont été retrouvés en très grand nombre dans les cités assyriennes, notamment à Nimroud, ici. Celui qui est conservé au Musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles, ou encore dans une cité assyrienne plus petite, qui est celle de Arslantash, avec cette plaque très égyptisante qui représente Isis les génies ailés, pardon, parce que ce n'est pas la version féminine, de part et d'autre d'un Horus. Et vous voyez ce caractère extrêmement précieux avec les plaquages d'or, de feuilles d'or sur ces plaques en ivoire. On parlait de pacotille tout à l'heure. Là, voilà cette pacotille. Alors, nous, on trouve ça très beau, hein, quand même. Enfin, moi, en tout cas. Mais c'est quand même ce type d'objet qui est plutôt considéré comme de la pacotille. Alors, j'ai montré là un exemplaire
relativement intéressant qui provient de l'Efkandi, enneigé, pour aussi nous promener en Méditerranée, en EB, tout au large de l'Attique, dans la tombe 22 de l'Efkandi. Vous voyez des petits Horus et des Isis qui sont présentés les uns à côté des autres. Donc ce sont des exoticas, ce qu'on appelle des égyptias. Des exoticas en faïence qui ont été retrouvés en grand nombre, non seulement dans le monde égéen, mais dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Et c'est intéressant de voir que, en fait, dans le monde grec, on va dire monde égéen plutôt, les Phéniciens ne se sont pas implantés de manière durable. On a en Crète le site de Komos, qui est peut-être un établissement un petit peu plus pérenne que d'autres, mais sinon, non. Et c'est assez. C'était lié aussi aux indigènes, parce que il y avait plus ou moins peut-être de résistance ou de réticence. Et malgré tout, les Phéniciens continuent de travailler, j'allais dire, avec les Grecs, mais ils ne sont pas implantés, vous voyez, dans toute cette partie verte là à l'écran, beaucoup moins que dans l'ensemble du pourtour méditerranéen. Donc c'est l'exception grecque, c'est pas le miracle grec, c'est l'exception grecque. Si on continue, donc on voit ces routes du commerce phénicien par les voies maritimes. On aperçoit aussi les routes terrestres qui peuvent émaner de différents points. Avec l'avènement du roi assyrien Tiglath-Phalasar III en 745, voyez, on avance dans le temps, 727, les cités de Tyr et de Byblos sont assujetties au paiement d'un tribut plus régulier. Et alors, ce sera encore plus fort avec Nabucodonosor, qui est roi de Babylone. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un premier siège de la cité de Tyr pendant 13 ans, de 586 à 573. Mais néanmoins, donc, les Phéniciens continuent de s'établir en Méditerranée. Que ce soit en Sicile, et on a le site de Motier par exemple, que ce soit en Sardaigne, ici seul le site de Sulcis est cité, mais il y en a bien d'autres, Bithia, San Antioco, etc. Dans la péninsule ibérique. Tiens, elle ne marche pas cette souris. Tout à l'heure, je vous parlais d'Utique. Vous voyez, c'est ici, c'est pour vous redonner. Et puis l'Ixus, c'est ici, on ne voit pas ici. Donc, ce pays de Tartessos. Et je vous montre ici ces établissements sous influence, c'est cette ère de colonisation, d'établissement phénicien extrêmement fort, montre donc cette effervescence, on pourrait dire, phénicienne, et cette diffusion culturelle, artistique, commerciale, dans l'ensemble du pourtour méditerranéen. Et dans la péninsule ibérique, notamment, vous voyez donc la cité de Cadiz ici, mais les sites de Malacca, le site de Sexy qui est le site d'Almuñécar, le site d'Abdère, le site de Carthago Nova, là, mais bon, qui prend son appellation la latine, mais qui est aussi une Carthagène, et donc finalement une seconde fille de Tyr, parce qu'elle est elle-même fille de Carthage. Donc vous voyez ses descendances aussi à travers le bassin méditerranéen. Et comme seconde fille de Tyr, on a aussi Ibissa, qui est une fondation punique carthaginoise. Donc on n'a pas le temps ici de développer l'ensemble de la présence phénicienne dans le bassin dans la péninsule ibérique, mais il faudrait aussi aller au-delà et remonter sur la côte portugaise, sur la côte lusitanienne, parce qu'il y a des sites extrêmement importants comme Setúbal par exemple, qui ont livré des vestiges phéniciens et qui montrent aussi le passage vers les zones qui sont au-delà et vers ces fameuses îles cassitérides desquelles on extrayait l'étain. Il y a vraiment ce parcours qui est au-delà de la Méditerranée et qu'il ne faut pas oublier. Alors, si on revient un petit peu sur les objets, et notamment à partir de ce qui se passe à Sidon. Au milieu du VIe siècle, les cités accueillent
plutôt favorablement les Perses achéménides, puisque après le joug assyrien et babylonien, ce sont plutôt les Perses, hein, donc de l'Iran actuel, achéménides, qui exercent leur zone d'influence plus grande. Et vous connaissez tous Cyrus le Grand et la prise de Babylone en 539. Donc Sidon, la cité de Sidon, occupe une place prédominante et devient le siège du gouvernement perse au Levant. Et pendant les guerres médiques, que vous connaissez tous, parce que vous avez révisé Hérodote avant de venir, qui raconte d'ailleurs avant les guerres médiques, et comment justement toutes ces cités et toutes ces populations sont liées avant ces événements majeurs, eh bien les cités phéniciennes, elles apparaissent dans Hérodote, et elles jouent un rôle important dans la flotte du roi des rois, c'est-à-dire dans la flotte perse, hein, ennemie des Grecs. Vous lirez le livre 3, chapitre 19, ou encore le livre 7, chapitre 98. Donc elles sont intégrées dans la satrapie de Transeufratène et elles gardent une certaine autonomie toujours. Et notamment, on voit ce mélange grec et oriental se développer à travers la production des sarcophages anthropoïdes. Ces sarcophages, dits anthropoïdes parce que représentant un personnage humain, et on doit cette appellation à Renan, il n'a pas dit anthropomorphe, il a dit anthropoïde, donc on continue de dire anthropoïde, on suit Ernest Renan. Donc ces sarcophages anthropoïdes, on les retrouve dans le bassin méditerranéen, on les retrouve à Sidon en très grand nombre, mais on les retrouve dans le bassin méditerranéen jusqu'à Cadix. Hein, pas de manière très très grande dans tous les sites, mais en Sicile on en a retrouvé qu'un par exemple aujourd'hui, mais en tout cas ils sont attestés dans l'ensemble du bassin méditerranéen, donc ça c'est aussi un point important. On ne transporte pas que de la pacotille, vous voyez, et puis sinon il y a aussi des productions qui sont locales, ça c'est toujours la question: est-ce que c'est fabriqué sur place, est-ce que c'est d'importation, etc., sachant qu'ils sont souvent en marbre, sauf le sarcophage des Choumnazor, et la planche du corpus des inscriptions sémitiques que Emmanuel Marine a choisi est à la planche du CIS, à la planche de l'inscription des Choumnazor. Ce sarcophage, qui est conservé au Louvre, lui a été importé d'Égypte, d'où on voit d'où vient donc on voit d'où viennent les sarcophages anthropoïdes. Ils viennent d'Égypte, ça c'est indéniable, et on en a un exemple important, celui découvert dans la nécropole de Magarat Tabloun à Sidon, qui a été dont s'est approprié le roi de Sidon, Eshmounazor II, en faisant écrire une inscription, la plus longue inscription qui a été découverte en Phénicie, de 22 lignes, en phénicien, en alphabet phénicien. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une œuvre donc majeure, égyptienne, mais entièrement phénicisée par son inscription et par le fait qu'à l'intérieur se trouve un roi, le roi de Sidon. Hein, bien sûr. Il y a une malédiction terrible associée à qui ouvrira le sarcophage. Alors, j'en suis responsable aujourd'hui du sarcophage, mais bon, pour l'instant, ça va. Donc l'alphabet et sa diffusion. Donc ça nous permet de parler de la diffusion de l'alphabet. Je ne suis pas du tout épigraphiste, donc surtout ne me posez pas des questions d'épigraphie. Je serais incapable d'y répondre. Mais en tout cas, les Phéniciens ont inventé l'alphabet. Il y a des prémices quand même d'alphabet dans le monde ougaritique. Ici, vous avez l'alphabet ougaritique qui est en cunéiforme, donc en clou. Il y a des prémices en Égypte avec ce sphinx de Serabit el-Radim, avec donc un alphabet en cours de création. Hein. Et puis il y a les premières mentions en alphabet phénicien, notamment sur ces pointes de flèche au 9e siècle. Le sarcophage des Choumnazor est plus tardif, hein, il est du 5e siècle. Donc sur ces points de flèche, où on voit le nom de Gerbaal, le Sidonien, Zakur, fils de Binah. Mais vous voyez, Gerbaal, il est le Sidonien, il n'est pas phénicien, il est de Sidon. Donc voilà, et donc cet alphabet phénicien, il se diffuse en Méditerranée transcrire une langue phénicienne, d'une part, par exemple, sur ces œillères de chevaux d'Idalion qui sont au nom de Baana, sur cette coupe de Téké
en Crète, où on a une inscription extrêmement courte, sur le CIP à Malte, qui est à l'origine du déchiffrement du phénicien par l'abbé Barthélemy au XVIIe siècle, puisqu'il a une inscription bilingue, il est assez tardif, mais son inscription bilingue a permis à l'abbé Barthélemy, en grec et en phénicien, de déchiffrer le phénicien. Donc c'est une œuvre majeure, elle est au Louvre également, et elle a son jumeau au musée de la Valette à Malte. En Étrurie, on a aussi ces inscriptions phéniciennes qui sont présentes sur ces lamelles de Pyrgi. Alors, j'ai fait exprès de mettre des matériaux très différents pour vous montrer que justement le support peut être varié. La stèle de Nora au musée de Cagliari, ou encore l'Astarté du Carambolo au musée archéologique de Séville, où on a la seule mention en péninsule ibérique de la déesse Astarté, avec une représentation, on imagine du coup, de la déesse Astarté. Hein, donc ça, c'est un point important. Et cette diffusion culturelle, linguistique, en Méditerranée, à travers l'alphabet phénicien et la langue phénicienne, eh bien, elle est réappropriée, par les Grecs pour créer l'alphabet grec. Et Hérodote, quand il parle d'alphabet grec, il les appelle les phoenicia grammata. Ce sont les lettres grecques. Hein, cet alphabet. Les lettres phéniciennes. Hein. Cet alphabet grec, il est créé à partir des lettres phéniciennes. Et ça, bon, ils le reconnaissent, non, c'est très bien. Et c'est Cadmos, il y a toute une légende qui est créée, bien sûr, pour expliquer cela. Et c'est Cadmos, alors que je ne vous dise pas de bêtises, qui est parti de Tyr, à la recherche... Alors, attends. Oui, à la recherche de sa sœur Europe, qui avait été enlevée par Zeus, encore une fois, sous la forme d'un taureau ou je ne sais quoi. Hein, Cadmos, qui est le fils du roi de Tyr et qui a fondé Thèbes et qui a rapporté les lettres phéniciennes, donc c'est phoenicia grammata, aux Grecs. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en plus, vous avez cette illustration sur une monnaie de Tyr, tardive, hein, puisqu'elle est après Jésus-Christ en plus, mais qui montre Cadmos qui apporte, qui lègue donc, cette culture, enfin, ce n'est pas cette culture, mais en tout cas cet alphabet aux Grecs. Donc vous le voyez, cette histoire des Phéniciens, elle s'étend sur une période extrêmement longue, de plus de 9 siècles. Vous l'avez compris, on ne peut appréhender les Phéniciens sans tenir compte des Assyriens, des Babyloniens, de ses voisins en fait, et puis ensuite des Grecs et de la période hellénistique, hein, et puis des Romains bien sûr, parce que évidemment elle est toujours en contact et sous influence, mais elle garde tout de même son autonomie. Et elle est à l'origine d'une extraordinaire expansion et diffusion culturelle en Méditerranée et au-delà des colonnes d'Héraclès. Et pour compléter cette communication, évidemment, je vous invite à découvrir le dépôt qui comporte 57 œuvres du musée du Louvre et qui, sous une forme géographique, présente donc une vitrine consacrée à l'art phénicien en Phénicie. Donc voilà, ça vous dira plus quelque chose maintenant. À l'art d'influence phénicienne, mais en même temps très propre à Chypre, et puis quelques éléments de la civilisation punique, hein, donc carthaginoise, à travers deux autres vitrines. Je vous remercie de votre attention. Oui, moi je prends mon train. Je suis désolée, je prends mon train à 55, mais ça va, je peux répondre à 10 minutes de questions. Alors pas sur l'épigraphie, hein, vous l'avez compris, alors des trucs très généraux. Oui, j'avais une question. Vous parliez de breloque et de dénigrement des œuvres d'art phéniciennes, notamment qu'on trouve ça chez Ernest Bablon à l'époque quand il avait écrit sur les camées, etc. C'était des imitations. Je vous en prie. Et je voulais savoir
si, enfin, il y a Bablon, mais Furtwängler ou même Brodmann dénigraient ce type un peu d'art. Est-ce qu'aujourd'hui, on redécouvre un peu un côté artistique aux œuvres phéniciennes, ou est-ce qu'on considère toujours que c'est des imitations égyptiennes ou assyriennes qui étaient refourguées aux barbares de l'ouest de la Méditerranée? Même si on suit Renan, qui a quand même fouillé la Phénicie, pour lui, ce n'est qu'un art d'imitation grecque. Hein. Il le dit et c'est sa conclusion. En gros, voilà, c'est pas si intéressant que ça. Évidemment que les études phéniciennes, alors je ne l'ai peut-être pas assez montré, j'ai peut-être juste parlé des influences, mais sont... Enfin, les études actuelles et notamment toutes les expositions qui sont créées autour de l'art phénicien, tous les colloques qui sont créés également. Vous savez qu'il y a les rencontres phéniciennes et puniques tous les 3 ans qui sont organisées avec des spécialistes du monde entier. Non, et si on continue à dénigrer cet art phénicien, toutes ces manifestations n'existeraient pas. Non, évidemment qu'aujourd'hui, on étudie l'art phénicien pour lui et justement, on essaie aussi de montrer au-delà des connexions avec les autres arts qui lui sont contemporains, ses spécificités. C'est ce qui est assez difficile à montrer en même temps, mais ce n'est qu'en décortiquant, j'allais dire, chacune des œuvres qu'on pourra démontrer ces spécificités-là. Parce que la spécificité, elle n'est pas forcément évidente d'un point de vue, enfin, juste comme ça à l'œil nu, elle peut être juste du point de vue du matériau, par exemple, parce que c'est un matériau qui est local, c'est du Ramelais qui vient de Tyr et pas d'ailleurs, et du coup, c'est phénicien en ce sens-là. Il faut toujours, quand on étudie une œuvre, voir ce dont on parle, si on parle de la technique, enfin, tous ces éléments-là, en fait, entrent en connexion. Et une chose, une iconographie peut être égyptienne, purement égyptienne, mais une technique peut être phénicienne. Et une inscription peut être grecque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est qu'en décortiquant, et c'est ce qu'on essaie de faire, bien évidemment, chacune de ces œuvres qu'on montre les spécificités grecques, phéniciennes. Mais peut-être que, évidemment, et Rénac, et Bablon, et Renan, etc., eux, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent le monde grec, et en plus, ils sont épigraphistes pour la plupart d'entre eux, ou bon, sémitisants pour Renan. Ils connaissent le monde grec, ils connaissent un petit peu l'Égypte, mais... Alors forcément, c'est pour quelqu'un qui aime Praxitèle, c'est épouvantable, ça c'est sûr. Mais enfin, vous voyez, c'est pas du tout du même ordre, c'est pas du tout les mêmes références. Et je pense qu'aujourd'hui, non, on est bien loin de là. Il faut dire que c'est cliché, on l'a vu dur, puisqu'il y a des marchands phéniciens qui vendent des babioles dans Tintin, dans Astérix. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Continue de vendre des babioles. Non, mais ceci dit, ils vendaient des babioles aussi. Hein. Il faut pas le nier. Hein. J'ai une question qui concerne les villes que vous avez mentionnées après la victoire d'Alexandre. Que deviennent, au fait, ces villes dans les, mettons, 2 siècles qui suivent, donc 333 et puis... Est-ce qu'on voit une transformation culturelle importante? Est-ce que vous mentionnez de ce qu'est l'art phénicien ou la culture phénicienne avant cette date? Est-ce que tout s'effondre? Non, pas du tout. Par exemple, si vous connaissez les sites dans la Beka. Enfin bon, il y a des sites dans la Beka qui sont extrêmement importants et le site, on a fait une visite virtuelle de ce site. J'ai plus en tête un temple extrêmement important dédié à Baal. Baalbek. Ben voilà, je suis fatiguée. Eh bien, Baalbek, par exemple, a des spécificités, je ne sais plus qui me posait la question, oui, a des spécificités qui, évidemment, qui c'est un site romain, mais en même temps, il a des spécificités phéniciennes, et les statues, notamment en bronze, qui en émanent, sont complètement phéniciennes, par leur iconographie, par leur côté absolument syncrétique, par tout ça, donc éclectique, hein. Je crois que l'éclectisme, c'est assez, et sans être péjoratif, c'est assez caractéristique du monde phénicien. Oui. Une dernière question alors. Merci. C'est concernant les coupes, mais peut-être d'autres choses aussi. Est-ce qu'on voit, par exemple, dans les coupes qui ont été trouvées en Étrurie, une différence avec celle assyrienne? Est-ce qu'il y a une sorte de production, je pense, au monde grec, bien évidemment, avec des productions spécifiques pour l'Étrurie? Est-ce qu'on retrouve ça? C'est pas si évident. Et
Non, c'est pas si évident. Alors la question, c'est de savoir aussi qui crée ces coupes, quels en sont les ateliers. On n'a pas de traces précises de cela. Sur les coupes de Nimrud sont souvent, enfin, pour la plupart d'entre elles, beaucoup plus simples que celles qu'on a trouvées en Étrurie, avec juste un décor gravé de lotus, par exemple, de motifs géométriques, etc. Plus du domaine de la gravure. Les coupes trouvées en Étrurie, effectivement, sont extrêmement décorées, travaillées au repoussé, avec parfois une double coupe qui permettent justement de consolider la partie qui, elle, a été travaillée au repoussé. Des techniques mixtes avec de l'or et de l'argent en Étrurie, ce qui n'est pas forcément le cas en Assyrie. Mais alors peut-être que ce qu'ils donnaient en tribut, c'était effectivement... Mais il y en a aussi des très belles, donc, mais peut-être quand même des formes plus simples, enfin pas des formes, mais une technique et une iconographie plus simple sur les coupes de Nimrud que sur celles d'Étrurie ou de celles de Chypre qui sont extraordinaires. D'ailleurs, dans les deux chips que je vous ai montrés, l'une est travaillée au repoussé, l'autre est travaillée suivant la technique de la gravure. Alors moi, ce que j'avais envie de faire, c'était justement une étude assez approfondie technique de ce type de coupe, parce que une des coupes que j'ai analysées, que j'ai fait analyser au C2RMF, au laboratoire des musées de France récemment, montre un poinçon qui a un petit défaut. Et donc, au moment où on poinçonne justement le métal, il y a un petit truc là qui permet d'identifier en fait un atelier. Mon objectif un jour, c'est de regarder toutes les coupes pour retrouver le poinçon, le bon poinçon justement qui me permettrait de voir la circulation de ce type de coupe. C'est des études comme ça qui nous permettraient d'avancer, mais voilà. Allez-y, avec les moyens que nous avons, ce n'est pas toujours évident. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup pour être venu pour cette conférence passionnante, vraiment. En plus, moi, j'ai eu la chance d'avoir la visite avant, alors voilà, c'était vraiment très, très intéressant. Donc, juste un petit mot pour vous inviter, venir, si ce n'est pas déjà fait, à venir voir le dépôt. Pendant la période du festival, donc jusqu'au 27 juin, on organise une visite par jour. Donc vous pouvez vous inscrire par le même biais que vous êtes inscrit pour cette conférence, parce qu'on est encore obligé de limiter les jauges du public à 10 personnes. Donc c'est relativement en comité restreint. Et puis cette conférence, elle était non seulement le lancement d'Ars Mondo, non seulement la première sur 3 ans d'études sur le monde phénicien qui commence. C'est aussi la première conférence qui suit le lancement du projet qu'a la BNU avec ses partenaires, notamment l'Université de Strasbourg, le Musée du Louvre et les musées de Strasbourg, de créer un musée de plus à Strasbourg consacré à l'archéologie orientale en grande partie, au monde oriental plus largement. Et donc voilà, c'est avec un particulier plaisir qu'on a commencé ce projet avec une conférence sur les Phéniciens. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci.